Salut à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer la carrière. Donc j'ai fait quelques matchs, j'ai avancé un peu, j'ai essayé de trouver mes repères. Donc mon joueur a évolué, nous sommes passés à une note de 68 de général. J'ai inscrit 9 buts en 10 matchs et j'ai réalisé une passe décisive en sachant que mes coéquipiers sont juste manchots. Sinon, à part ça, rien de particulier. Hop, on va juste regarder. Donc conserver une note moyenne d'au moins de 6, donc ça pour moi on est bon. Les buts, si on se projette, ils me mettent à 37 buts, ce qui est plutôt flatteur, mais bon, on verra bien. Effectuer au moins 5 passes, donc là c'est le seul endroit où je suis pour le moment faible, et à maintenir un pourcentage de tir au-dessus de 10%, et ça on est plutôt bon. J'ai marqué des buts vraiment sympas, donc mon joueur progresse bien, je suis plutôt satisfait pour le moment. Dans le but aussi de faire ces vidéos de carrière, c'est aussi de parler de foot en général, hein. C'est pas seulement parler du jeu, pas seulement de ça. Et je vais parler de plus en plus mais du foot en général, en tout cas dans cette version-là, quand je vais faire les lives, que ce soit d'achat-revente ou les vidéos d'achat-revente, c'est pas le moment pour en parler. Là, c'est vraiment essayer d'être le plus stratégique possible et le plus tactique possible pour que vous gagniez un maximum de crédit. C'est pas vraiment le lieu. Que là, voilà, c'est la détente, on est là pour s'amuser et ça permet de discuter et de voir partager ses idées. En ce moment, l'équipe qui me plaît le plus évident étant pour Marseille, c'est Marseille. Mais il y a des équipes comme ça qui se débrouillent bien. On va voir ce que ça donne. Par exemple Nantes, qui va se rendre au Vélodrome vendredi soir. On verra, c'est une équipe qui est plutôt joueuse. Et on va voir comment ça se passe. Donc mon joueur s'est quand même bien amélioré. Hein. Bon. Genre des grosses difficultés de physique pour le moment. J'ai du mal un peu quand même. À le faire courir dans tous les sens sans qu'il s'épuise en 2 secondes. La Ligue 1, souvent on entend quand même les joueurs se plaindre du niveau de la Ligue 1, et là donc là on a enfin quand même des équipes qui valent le coup à regarder, entre Paris qui est pour le moment largement au-dessus du lot, hein, là, y a rien à dire, hein. Même étant supporter de Marseille depuis toujours, on peut pas comparer. Hein. Comparer vraiment les équipes. Allez, ah oui, non, y a rien là, y a rien. Donc je disais, bon, quand même Paris est là largement au-dessus du lot en ce moment, mais bon, il y a quand même des équipes qui sont vraiment intéressantes cette saison, et de petit à petit il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que le niveau est en train de s'améliorer, et chose un peu extraordinaire, même en Coupe d'Europe, on commence à faire des choses un peu plus intéressantes. On joue un peu là encore pour tenter ce jeu-là. Voilà. Peut-être que j'aille devant quand même. Voilà, bien joué ça. Oh là là, c'est passé malheureusement. Oh, la faute inadmissible. Oh putain, ça sort pas. Et ça sort pas. C'est pas possible là de pas pouvoir récupérer. Allez! Faut que je fasse attention, mon joueur, on est qu'à la 18e minute, il a déjà perdu un quart de son énergie, c'est plutôt plutôt embêtant. S'il y a une époque, faire une équipe de Ligue 1 dans Foot 15, en tout cas dans FIFA Foot, FIFA Ultimate Team, ça aurait été vraiment compromettant. À l'heure actuelle, l'avantage avec le PSG, vous pouvez créer une équipe de Ligue 1 qui est plus que compétitive quand même. Je pense que l'équipe de Ligue 1, quand vous avez dans les buts Sirigu, Mandanda, voire Ruffier, les 3 ou 84 ou 84 ou 83 de notes. Ah là c'est contre nous, mais c'est dommage. Hein. On ne peut rien y faire, nous, malheureusement. Voilà, on fait du petit jeu. De bonne passe.
frappe terrible. Frappe terrible qui prend, qui est jusqu'à. Allez, il faut faire la tête. Ah, il faut la récupérer. Faut la récupérer. Voilà. Aïe 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 aïe. Là je disais entre Cyril, vous demandez de rouffer dans les buts. Derrière, bon, défense centrale. Bon là, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein, ça. David Luiz. Avec Thiago Silva. Ça fait déjà 82 et 87. Déjà ça c'est plus que solide. Après vous pouvez mettre en renfort. Et Marc, Marc. Marc. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire pas cet idiot. Ouais, c'est pas mal. Bon après vous pourrez prendre une coulou à 79. Un que j'aime bien, c'est Abdenour. Franchement qui est costaud de Monaco. Ensuite à droite, bah, c'est pareil, hein, pas beaucoup de choix. Hein, c'est Paris en général. Hein, donc soit Aurier, soit. Anderville, tous les deux à 77. À gauche, il y a Maxwell. Côté marseillais, pas exceptionnel. Il y a Bedimo à Lyon, qui est plutôt bon. Non, pas là, pas là, pas là. Tout sauf là, là. Que c'est mal fait. Ah, j'ai eu une bonne occasion tout à l'heure. Là, sur les latéraux c'est un peu là où ça pêche. Après en milieu là, vous avez quand même des bons joueurs hein, surtout encore une fois à Paris. Mais bon en milieu défensif vous avez aussi quand même Toulalon qui a 83 de notes à Monaco, donc plutôt intéressant. Ah oui, il y a faute là, il y a faute, bien sûr qu'il y a faute. Non mais c'est moi qui dois le tirer sur... Non mais non, pourquoi tu fais tirer lui là? Et oui, Robertinho, Robertinho qui marque son 10e but, bien sûr, avec sa roue moisie. Ah, j'aime bien cette petite roue là, c'est la roue de l'humiliation. Ah, déjà il me fait pas la passe, et tant mieux, voilà. Oh, que je suis que seul, je suis solide, et je suis là, au milieu de tous les joueurs. Je suis l'entraîneur adverse, je pense que j'ai des joueurs qui perdent des dents à la mi-temps. Ah, super, superbe. On va continuer avec le lien, je disais quand même tout ballon. 83 de général. Oh oui, voilà, faut montrer qu'il sait pas trop. Après vous mettez Mathuidi à côté quand même. Il y a Cabaye. Cabaye 81, Cabaye. Oh là 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 là. Un monstre. Un monstre physiquement. Robertinho. Oh là là. Après j'ai un peu de mal à me revenir. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ah, là, je dois faire la forme de frappe plutôt. Ah, il dégage, il a peur. Il a peur. Il se dit oulala, Robertinho, il va nous mettre le deuxième. Il va nous mettre le deuxième. Ça c'est pas bon pour mon nombre de tirs cadrés. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais envie de la prendre. J'ai un petit coup. Hop, petit coup. Donc en milieu de terrain, tout l'allant Mathuidi, 83-83 quand même, c'est plutôt solide. Après, ailier droit ou milieu droit, vous mettez Lucas. Et après, milieu gauche ou ailier gauche, vous mettez Lavezzi. Et devant, vous mettez Cavani. Et si vous avez besoin de deux attaquants, bah, après c'est soit Lacazette, soit Gignac en boost. Et là, ça commence, ça fait quand même une belle équipe. Hein. Je pense qu'on va faire une moyenne de 82. Donc c'est plutôt sympa, hein. Faire une équipe de 82 il y a encore 2-3 ans, ça aurait été compliqué. Hein. 2-3 ans de plus, mais 3-4 ans on va dire. Avant que les 4... Oh, oui. Oh là là. Oh là là. Ah. Oh, je l'ai pas vu. Oh, putain, j'ai du mal à me relever. Hein. À l'impact, je... Ah, faut y aller là, hein, je tacle.
Je vais m'attaquer. Ah, encore un petit tacle. J'ai beaucoup de mal à me relever quand même. Il faut se relever un peu quand même. Robertinho, oh, je suis à la moitié, c'est pas mal en énergie. Il y a quand même une équipe de Ligue 1 qui fait plus de 82. Bon, c'est solide hein, quand même. Hein. Défensivement, vous n'allez pas prendre l'eau. Alors, en récupération, une petite faute pour ralentir. Belle parade. Mais qu'est-ce qu'ils me font là? Qu'est-ce qu'ils me font? Dégage. Vive l'intelligence artificielle. Pour le moment, c'est quand même pas ça encore. Hein. Si vous jouez contre l'ordinateur, quand vous voyez ça, vous dites attention. Pas là. Tant mieux que je suis un monstre physique. Tant mieux que... J'ai cru qu'il allait mettre en touche comme ça. Tant mieux que je suis là pour organiser les jeux. Faute. Et tu siffles pas là. L'arbitre. On peut pas passer à côté de choses comme ça là. Aïe aïe aïe. Bon, on est parti pour faire un petit match nul là. J'ai l'impression que c'est parti dans cette optique. On va rester là, on va rester devant bien positionné. J'ai pas perdu hein, quand même hein, pendant. J'ai dû faire 5-6 matchs peut-être, non, peut-être un peu plus, je sais plus. Voilà. Ah là je me suis mangé de la tête. J'ai quand même 9 de notes de... Oh le monstre physique. Monstre physique. Allez, monte. Voilà. J'étais pas loin de la faute, mais là. Monstre physique encore. Ça voit un petit carton ça. Attention, faut pas me faire chier moi avec ma barbe rousse. Hein. Attention. Je suis un fou. T'as vu la roulette que j'ai faite tout à l'heure? Je la fais surtout la prochaine fois. Bon, c'est pas grave, un petit carton jaune. C'est toujours intéressant. C'est pour montrer qu'on est là. Ouais, le caméraman se rapproche. Alors ça. On va se mettre un peu sur la gauche. Je vais pas me prendre le ballon. Hein. Ça enlève ma super permanente quand même. Attention. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mes défenseurs là? Pardonne-moi. Non. Je sens que je vais pas finir le match, pas pourquoi. 9,4. En gros, ils considèrent qu'il y a moi et moi dans cette équipe. Ce qui est pas faux, ce qui est pas faux. Ah, laisse-la moi. Eh oui. Ma faute là quand même. C'est un tacle exceptionnel que j'ai fait. 9,3. Ça me coûte des points quand même de faire des bons tacles. Allez, je suis pas là à la récupération. Il faut être dessus là, faut monter un peu. Je mets juste mon corps en opposition tout à l'heure. Putain, oula. Non, je suis bien positionné. Ça c'est pareil ça. Comment est-ce que c'est... Où ça c'est bien joué. Là. Je fais tout le travail. Je m'ouvre le but. Là, je suis tout seul. C'est moi qui la prends là. Non, c'est Fréter. J'ai l'impression que c'était moi. Bon, peut-être Fréter. Là.
essayer de me l'amener. Ah, je vais passer vite. Là, je vais passer vite, mais là je vais peut-être assez vite. Un peu gourmand. Mais oui. L'enjeu là. Aïe aïe aïe. Ça doit pas être possible ça normalement. Bon, toujours pas de passe décisive, hein. C'est bien de marquer des buts, mais bon. Je sens qu'on va m'en tenir rigueur en fait. Aïe 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 aïe, faut me la donner là. C'est quasiment vrai. C'est fou. Et il sort, bien sûr qu'il sort. Ça, je l'ai impressionné pour lui. Dès qu'on a plus d'énergie comme ça, ça compte des points. Non. Oh, je me blesse en plus. Je me blesse. Alors là j'aurais peut-être pas dû demander le ballon, c'était pas très judicieux. Ouais, je suis blessé, parfait. Ma note ne fait que chuter depuis tout à l'heure. Ah, j'ai pas réussi à m'économiser suffisamment. Oh là, première défaite. Bon, bah c'est ça aura été avec vous, cette défaite. C'est pas très grave, hein. Ouais, il faut bien perdre de temps en temps. Bon, ben on va quand même aller voir les résultats. 4 tirs cadrés, 2 non cadrés, ça c'est plutôt embêtant. Passe réussie. Faute, d'accord. On va avancer. Bon, ça donne quoi? Bon, mon joueur n'a pas évolué, toujours à 68. Bon, j'ai quasiment réussi mon contrat de but. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Mon pourcentage de tir reste toujours le même. Malheureusement, mon nombre de passes décisives baisse au fur et à mesure. Maintenant je suis projeté plus qu'à 3. Et ce serait sympa que mes coéquipiers quand même commencent à être un peu plus efficaces devant le but. C'est pas le nombre de passes que je fais qui est en jeu là malheureusement. Donc on garde quand même notre première place. On garde quand même notre première place malgré cette défaite. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 17 buts pour. Donc on voit quand même que j'ai marqué quasiment tous les buts de mon équipe. Bon, c'était Robert87000. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la carrière. Je vais avancer un tout petit peu et on commencera à faire des vidéos un peu plus longues, voire peut-être même des lives quand mon joueur aura progressé. Parce que bon, là pour le moment, on peut pas faire grand chose avec lui. Donc dès que mon joueur progresse, je ferai des vidéos peut-être un tout petit peu plus longues. Donc je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Twitter, à mon Facebook. Donc c'est en haut à droite sur la vidéo. Pensez bien à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.